Regardez-moi ça précédemment. Quitte le souterrain pour se rendre à destination suivante. Se rend au centre Pokémon de Azuria et dépense 900 Poké-Dollars. Oh, a réussi à quitter la grotte. Arrive à l'avant-ville. Et on était dans le centre Pokémon. Et on est ici, mesdames et messieurs, à l'avant-ville. Petit point, évidemment, sur notre équipe Pokémon. Sunday, niveau 24. Maxida, niveau 24. Domingo, niveau 27. Zank, niveau 32. Bien sûr, la FF évolué. Donc, c'est un beau Florizarre. Genius, niveau 21. Junpei, notre CS Slave. Évidemment, de ce côté-là. Donc, on est très, très bien. Alors. Putain, la musique. On est d'accord que normalement, là, on a tous les dresseurs, c'est mort. On n'a pas de méga can, on voulait capturer un petit tar, pour aller faire un tartar. Mais en fait, on n'a rien. On n'a pas la super can. Qu'est-ce qu'on a ici? Putain, je me souviens même plus. Bonjour, madame, bonjour. Oh, c'est la CT27, quelle est cette CT? À retour, d'accord, super, merci. Juste après la méga canne, un... Attends, juste après la méga canne, un des dresseurs. Ah. Je crois qu'il nous faut la méga canne ou la super canne pour choper petit art, je sais plus, mais en vrai, je pense que ça marche. Est-ce que c'est par ici ou pas? Eux, c'est full. Full Pokémon Derms. On peut garder Sunday. Faut monter le niveau de Sunday. Sunday doit passer niveau 28 et ensuite on pourra la faire évoluer. J'aurai la méga avant la super. Mais je crois que ça marche avec la méga, on est d'accord pour un petit art. Non? Je dis pas de conneries. Merci Mathieu pour ton tier 3. Merci beaucoup. Oh là, le tier 3 qui est claqué. Par Mathieu, le 38e mois. Merci le sang. Merci à vous, hein, pour vos soutiens. Évidemment, c'est énorme. C'est assez fou, quoi. Allez, petit art qui va être envoyé. Vas-y, envoie ton petit art, mon pote. Ton petit art. Je peux te dire que je le grignote, ton petit art. J'en ai pas peur. Pourquoi faire un tartare si tu pars sur un accolé petit art? Bah, pour enlever Férosinge. Ce qu'on se disait. On voulait partir sur ça. Voilà, on s'est dit, ouais, tartare, c'est sympa, ça peut être cool. Je sais pas ce que vous en pensez. En plus, on va faire Aquali. Donc, mais Aquali, c'est pour tanker, quoi. Après, c'est vrai qu'on est toujours un peu indécis. C'est sûr que je veux faire Aquali. Mais on n'aura pas de Pokémon feu. Et ça, ça dégoûte un peu. Tu vois? Bonjour, Jiraya le cochon. Merci d'être drôle. Bah, de rien. Vraiment, alors, avec aucun problème, alors. C'est un plaisir. Échanger un Tetart contre un Liputou Azuria. Ouais, mais est-ce qu'on a vraiment envie de jouer avec un Liputou? C'est ça la question. Est-ce qu'on a envie de jouer avec avec cette femme botoxée? Je ne pense pas, je ne pense pas. On a toujours pas surf, évidemment. Là, c'est Sunday qui va tout prendre. Dans le respect qui lui est dû, évidemment. Mais en termes d'XP, on va tout lui donner. Ce serait du Tentacool, ok. Bien fait pour le Aquali. Quand tu auras le temps, ça marche. Bah merci Warthog, aucun problème. Je regarde, alors je vous garantis pas, à chaque fois que je suis en mode ouais je prends, parce qu'il y a ce qui s'appelle les finances qui font que un peu dur. Mais oui, Arcanin pour le type feu ou Fenard? Je pourrais, à choisir, je serais plutôt team Arcanin. Mais le problème c'est, on met ça où, tu vois? J'ai pas 50 solutions. Là, en vrai de vrai, qui c'est que tu veux que je remplace? Je vais pas remplacer 50 000 personnes. J'ai envie de garder Sunday. Évidemment, bon sang que ça se pose pas comme question. On a le Férosage, on voulait le changer. Genius, on voulait le changer pour mettre un Tartare. Il y avait peut-être cette envie-là, quoi. Il y a pas Fenard sur Rouge-Cheveux. Bon, bah alors ça, la question se pose pas, ouais. C'est Arcanin. Ouais. Ouais, Fenard exclusif à Verfeuille. Du coup, comme chez Tiflor, exclusif à Verfeuille aussi, je crois. C'est ça. Ah, il y a les différences. J'oublie à chaque fois. Ponyta, Miskin, non. Ponyta, Galopa. Ça a jamais été mon kiff. Putain, Magmar, par contre. Oh, j'avoue, Magmar. On a Magmar dans Rouge-Feu? Non? Ou pas du tout? Ça marche, Warthog, pas de soucis. Merci. Ouais, j'avoue, Magmar, c'est pas mal, hein. Magmar, moi, je me souviens de toute ma vie, l'épisode Magmar contre Dracofeu, Auguste contre Sacha. Vraiment, le Magmar, il blaguait pas du tout, hein. Tu vas le choper, Magmar, t'auras Sulfura. Ah ouais, putain, mais c'est vrai qu'on a les légendaires aussi. Est-ce que Sulfura, c'est ok?
Ou c'est Gazmer. En vrai de vrai. Putain, Magmar exclu vers feuille. Bon bah allez, c'est... vas-y, fin du rêve les gars, fin du rêve. C'est bon, y'a rien d'autre à dire. C'est une exclu. C'est une exclu. C'est perdu. Team No Legend frérot, ouais j'avoue que... Non, vous avez raison. J'avais raison, vous savez ce qu'on va faire? Interdit aux légendaires. No Legendary. Pas de légendaire les gars. Bah Pyroli, le problème c'est qu'on veut faire Aquali. Donc là à partir de là, ou alors on fait pas Tartare. On fait pas Tartare et on se dit qu'on n'a pas besoin d'avoir un Pokémon combat. Regardez, là la vérité c'est que Domingo on l'enlèvera jamais, Zank on l'enlèvera jamais. D'accord? Sunday je ne pense pas, et Max, moi j'adore jouer avec un Pokémon vol, j'adore au carnage. Donc voilà, ça en gros c'est ce qui ne bougerait pas. Je veux mettre un Aquali, qui prendra la place de Jumpé ou Genius, tu vois, en attendant. Parce qu'on n'a pas d'eau, en fait, on n'a vraiment pas d'eau. Après, on n'aura pas de feu. Là, après, le truc, c'est qu'on n'a pas de feu, mais... Genre, les types plantes, c'est géré avec Maxildan. On a Domingo aussi qui peut gérer tout ça. C'est pas non plus dramatique, quoi. Aquali, Arcanin, c'est huge. Je suis assez d'accord. Ah putain, j'avoue, Tignon. On peut avoir Tignon avec point de feu. Moi ça me va si on n'a pas de Pokémon feu, hein. Je suis pas. Je me dis le Pokémon feu il est pas obligatoire. Il est pas obligatoire ici. J'avoue Tignon, point de feu pour. On le rappelle, on le renomme Genius, tu vois, pour la bagarre. C'est pas mal en vrai. Réfléchis surtout à ce qu'il faut pour la ligue. Mais mec. Mais la ligue. Pourquoi j'aurais à réfléchir pour la ligue? Attends, j'ai soigné mes Pokémon, ouais. Mec, ça se réfléchit pas la ligue. La ligue on y va, c'est ce qu'on appelle le talent, mon ami. On n'a jamais besoin de réfléchir. Je vais continuer en bas. Non mais nous on fait tout au talent, vous savez. Il y a Ronflex. Attends, il y a Ronflex. Si tu le captures, les trois... Ouais. Le truc c'est que Ronflex c'est du normal quoi. Alors oui c'est fort hein, Ronflex, il n'y a aucun souci hein. C'est même très très fort, mais bon. J'ai pas envie de jouer avec Ronflex en vrai. Je vous le dis. On va le capturer je pense, mais Ah mais c'est un tank de fou. Ectoplasma c'est gen 2, non c'est première gen, mais mais du coup il faut faire une manip pour Ah quelqu'un m'avait envoyé la manip pour Ectoplasma je crois. Faudrait que je revérifie. Je crois que quelqu'un m'avait envoyé sur Insta la... Comment faire pour avoir Ectoplasma il me semble. Et sur Streamrider mesdames et messieurs, on est combien? On est une centaine sur Streamrider. Vous pouvez poser vos unités hein, si vous voulez sur Streamrider. Tonnerre, c'était niveau 26 Tonnerre. C'était pas niveau 28, moi il menti. Magnifique. Bon en vrai on enlève éclair non? Vive attaque on garde, souplesse on garde. Cage éclair. Ouais j'enlève éclair hein. On est à 15 sur 15. Un Ronflex combo cogno bidon repossé. Mais ouais mais c'est broken hein, vraiment c'est très très fort. Bras d'égalie on en parle plus. Ouais je pense on va faire ça. Ça doit être ça ouais. Il doit exister en plus là. Ok. Non on va rien changer. Ok. Ah bah là c'est fini. Là ça va être du one shot les gars. Ah et tonnerre, c'est bon. Bon Sunday, on sait que on peut l'évoluer, c'est bon. Elle a plus besoin de. Elle a plus besoin de prendre de niveau, on va pouvoir l'évoluer. On aura Aquali et Last One, ouais, je pense qu'on. On regarde si on se prend pas un petit Tignon. Point de feu. C'est à Safrania après Tignon il me semble. Donc c'est pas tout de suite. Tu évolues Sunday juste après. Bah on peut pas l'évoluer tout de suite Jojo Shoot parce que j'ai pas de pierre éclair. Pierre foudre, je vais y arriver. Donc ça se récupérera, c'est la Dopole. Mais oui je pense que dans la foulée on va faire ça. Allez hop. Ouais Loclas je pense pas qu'on le joue. En vrai de vrai les gars, je vais être honnête, je pense pas qu'on va le jouer. On va rester un peu sur notre équipe là. On peut capturer des trucs après, y a pas de souci, mais... Ah, il joue en même temps. Oh, let's go. Let's go. Aéropic à côté. Chacun va se charger de son vis-à-vis et ce sera parfait. Oh là là, Aéropic. Putain, j'ai hésité, je me suis dit, est-ce que ça empoisonne? Ouais, mais oui, ça empoisonne. Double yep. Hop, il est paralysé, le con. Double yep.
GG hein, pour le double yep. Hyper violent. On va aller là. Et toi, tu vas lui mettre une vive attaque. Non. Bah attends. Il est pas censé être aussi rapide hein, le bug. À moins qu'il ait vive attaque. Ça dégage la racaille. Ouh. Tu as déjà vu le remake de la ligue de ce jeu Blue, la team de Zinzin? Non non, j'ai pas regardé, me spoilez pas hein. Moi je veux être en découverte hein. Me spoilez surtout pas les gars. Ok, donc le Ronflex est bien là. On n'a pas de poké flûte, donc c'est dead. Mais wesh wesh. Wesh. Le poison qui rend fou. Notre pauvre... on va arriver au centre Pokémon, Max Idlan, il aura clumsé. Hein. Max, survie. Tiens bon, Max. Tiens bon, Max. Ok. À combien il a survécu, Max? Ouf, 13 HP. 13 HP, c'est bon. Je te soigne, mon pote. On peut enlever Sunday, je pense, du premier roll. Et on va continuer notre ascension, tranquillement. Je pense qu'on peut continuer de monter qui maintenant? Sunday c'est bon. Genius. En fait le truc c'est que Genius si on s'en sépare, autant mettre Max devant. Merci Mr. Botch. Merci beaucoup pour ton tir. Le endgame est fou en plus. Bien sûr qu'il est fou. Allez s'il te plaît, dis-moi que t'as des bons petits Pokémon plantes là, un peu gaze. Normalement, fillette. Ça joue du. Ouais, ça joue du normal. Est-ce qu'il a pas attraction de merde lui? Si je fais aéropic, est-ce que je tombe amoureux? That's the question. La question est vite répondue. Joli sourire. Aïe 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 aïe. Non, j'avais pas pris le chemin le plus long pour Max. J'ai vraiment le cœur sur la main. S'il te plaît, tape. Merci. Allez, ça dégage. Bien joué, Max Hilden. Il prend son XP. Non. On est d'accord que là, on est plus amoureux de Mélofée. Hein. On a juste à faire tornade. Voilà. Comme c'est pas physique, il n'y a pas de problème. On fait double tornade. Aéropic, ça dégage. Et merci pour le quatrième mois, Natsu. Là, on est en direction de Céladopol, les amis. Donc, on va faire toute la marée de dresseurs ici, continuer à prendre notre XP, continuer à monter les levels bien comme il faut pour prendre également... Attends, il avait loupé son attaque ou j'avais... Je sais pas. Peut-être. Et ensuite, aller faire l'arène. Et normalement, on a tout le sous-sol du casino aussi là-bas à faire. Hein, avec la Team Rocket. Ça, tu sais quoi? Ça tue pas? Oh, je vais tomber amoureux du coup. Je me fais torgnoler. Vive attaque. Non, c'est bon. Ouais, c'est juste que je voulais pas prendre son charme avec une attaque physique. Bon, on pensait qu'il y a Caninos. Est-ce qu'on prend... Après, je peux capturer Caninos. Ça peut être en attendant. Mais il y a toujours la question de... Est-ce que... Tignon qui a point de feu ou bien... Il aura point glace aussi. En vrai, Tignon, il peut vraiment nous régaler. Hein. Alors, ce sera pas stable, évidemment, mais ça peut être quand même très très cool. Hein. Aéropic. Chiant parce qu'il baisse mon attaque, mais ok quoi. Après, est-ce que. Tornade, c'est pas physique, Tornade. Je pense. Tornade, c'est spécial. Oh, ça fait vraiment zéro dégâts. Ah ouais, Tignon, c'est merguez dans le jeu. Oh, évidemment, on est brûlé. Oh mais c'est pas vrai. Et Max tu fais aucun effort. Moi j'ai envie qu'il prenne l'XP quand même. Donc on va aller chercher Tiens on va prendre PA. Ouais l'attaque SP est très mauvaise de Tignon. S'il me rappelle. Ok. Ok tu veux jouer comme ça? Ça marche, ça marche. Ah il a fait une erreur. Il s'est frotté à la mauvaise personne si je puis me permettre. Tornade égale vol, donc physique oui. Non, je crois pas. Hein. Je crois que Tornade, ça doit être... T'es sûr que c'est pas du spécial, Tornade? Moi, comment je m'imagine ça? Vu qu'il fait une Tornade, il touche pas avec ses mains. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, pour moi, c'est pas du physique.
Mais peut-être que c'est physique et du coup je sais pas, je m'en rends pas compte. En 3G c'est physique, ok d'accord. My bad alors. Goopix. Attends, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit en 3G les types. Si c'est physique 3G, non, c'est pas ce que je veux voir. Putain, après l'arène plante, tes Pokémon feu sont plus indispensables, surtout si t'as regroupé son arène. Bah, c'est ça en fait. C'est pour ça que je me dis que pour moi, le type feu est pas obligatoire, étant donné que là, avec ce qu'il y a en face, normalement, il y a que le type plante. Mais le type plante se fait oblitérer par Maxildan. Le type insecte, pareil. Donc je vois pas de soucis particuliers, moi. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais... Il y a pas de... En fait, le type feu, ça marche pas contre type dragon. Il y a pas de type glace, particulièrement. Il y a pas le type glace, en plus. On est, à quoi que, dans cette version, le type glace existe ou pas? Et en vrai, le type glace, on le gère, quoi. Je veux dire, c'est pas problématique non plus. Hein. Après, oui, le type feu, c'est un flanc incontestable, ça, on est d'accord, mais bon. Il a toujours existé, putain, ça existait en première gen? Olga à la ligue. Ah ouais, je suis con. Mais je sais pas pourquoi dans ma tête le type glace c'était. Laisse tomber. Ouais, il y a que le type glace au final. Mais type glace, ça craint feu? Ça craint quoi d'autre le type glace? Uniquement feu? Après, le truc c'est que souvent, les types glace ils sont où, vous savez? Genre lamantine, les trucs comme ça. Donc au final, le feu il est fou un dessus. C'est pas très grave, tu vois? Oh non, mais là, me dis pas que... Je vais être empoisonné en faisant ça ou pas? Non. Bon bah, il rush. Oh bah, c'est gagné. Dès qu'on peut, on a du séisme qui débarque. Et c'est très bien. Au pire, tu mets mes laser glace à la coller, t'auras un move glace puissant. Oui. Bah, oui, mais c'est pas ça la question. Oh, mais putain, mais on est condamné à être empoisonné tout le temps ou quoi? Putain, que ça m'énerve l'empoisonnement, là. Ouais, acier également. Après, on a rien en acier, hein, de type acier. Mais bon, c'est pas très grave. Vas-y, gros tas de morts. Je sais pas si on peut le tuer, gros tas de morts, en vrai. Ça va tanker de fou, gros tas de morts. Oh là là, il y a beaucoup de vie, hein, gros tas de morts, le cauchemar. Hein. Ouais, vu qu'on aura du... Ouais, d'accord, ok. Bah pour moi le remplacement les gars, ici. Hein. Ah c'est une truc. Pour moi le remplacement, c'est soit on reste sur Tartare, comme on a dit. Comme ça on a quand même un type combat. Ouais, ils sont bien serrés. Hein. Soit on a donc Tartare, ça fait au combat, mais on a déjà Aqualie. Soit on part sur un combat simple, mais je vous avais dit que Tignon c'est bien gaze donc ça me fait chier. Soit on part sur un feu, mais le feu, on n'a pas le... Pour moi, le dernier type, il est ouvert à plein de propositions. Pour moi, le dernier Pokémon, il est ouvert à plein de propositions, les gars, je vous le dis. Hein. Après, on peut garder Colossinge. On peut garder Colossinge si on croit que Colossinge c'est la folie, mais bon. Est-ce que c'est Zinzinular? Ou est-ce que c'est Puant? Oh le con. Après il y a Ectoplasma les gars. Il vote à droite, on coupe ce passé. Ah oui c'est Maxidan. Évidemment les gars. Vous croyez quoi? Ouais mais on joue sans légendaire Natsu. Donc on peut pas prendre Articodin. Et puis en vrai ça me ferait chier d'enlever Roucarnage pour Articodin. Sans faire le mec. J'aurais dû changer parce qu'il va être... voilà ce que j'allais dire, il va être débile. Oh la vache. Normalement je suis à... Après c'est bon, je pense que je one shot avec un petit double pied. C'est pas très efficace mais ça le tue je pense. Je ne le respecte pas. Pêche un petit draco. Oh putain j'avoue un draco. Ectoplasma, ouais, faut un échange. Mais attendez, je vais retrouver le message. Les gars, je vais retrouver le message. Il y a quelqu'un qui m'a donné une solution.
Et je l'ai vu passer, j'ai pas eu le temps de lire très exactement. Je vais regarder, c'était sur Instagram. Je crois que quelqu'un m'avait donné une info, bougez pas. Je vais retrouver la personne qui m'avait dit ça. Alors attendez. Est-ce que c'était pas lui? Non, c'était pas lui. C'était lui? Non. Lui? Non. Lui? Non. C'est lui? Non, pas du tout. Putain, sur Insta, il y avait quelqu'un qui m'avait donné l'info. Ah, c'est ça. Voilà. Il faut lancer l'émulateur, puis ton jeu. Ensuite, dans les options, tu vas dans Link Local. Machin, Another Game. Tu lances le même jeu avec la même sauvegarde. Ensuite, tu peux switch dans les options entre les deux jeux pour pouvoir échanger tes Pokémon. Je vais garder ça à côté. J'avais l'info. Ça peut marcher, hein. Ça peut marcher. Bon, je suis désolé, Maxidan est encore empoisonné. On fait que des allers-retours à la ville. C'est relou, mais... Ça avance bien, les gars, ça avance très bien. On est chill. On avance bien. Non, après, allez, les gars, moi, c'est Ectoplasma. Hein. C'est Ectoplasma tous les jours, hein, je vous le dis direct. Hein. Mais là, on peut pas aller chercher de Fantominus, puisqu'on peut pas les voir, là, encore. On n'a pas le truc, je crois. Donc, il m'a dit... Je fais un test pour voir. Je fais un test. Il m'a dit quoi? Il m'a dit... Il faut lancer l'émulateur, puis ton jeu. Ensuite, dans les options, tu vas dans Link Local. J'ai un truc option. Option, et il y a un truc apparemment Link Local. Link... Local mode. Ah ouais. Tu lances le même jeu avec la même sauvegarde. Ensuite, tu peux switch dans les options entre les deux jeux. On est sauvegarde là au cas où. Deux secondes. Je fais un test. Hein, Parce qu'en fait, si on trouve la solution, on peut faire un ectoplasma. Et ça, c'est complètement fou. Donc, je sauvegarde au cas où. Voilà. Là, si je fais open. Ah mais là il me relance pas deux fois le même jeu, putain. Non, c'est pas pour cloner, c'est pour simuler un échange. En gros, que je m'échange entre mes deux versions, mes deux mêmes sauvegardes. Donc on va voir. Écoutez, je regarderai ça en off parce que sinon on va perdre du temps. J'ai pas envie qu'on perde du temps sur le truc. Mais je vais garder ce petit message à côté parce que c'était pas mal. C'était pas mal. Mais ouais, Ectoplasma pourrait effectivement être une solution, quoi. Ça pourrait être effectivement une solution. Allez, en combat en duo. Tu vas test Palworld. On a déjà test Palworld, d'ailleurs, la rediff est dispo sur... bah tiens, Casu vient de te la mettre. La rediff est disponible. Et en plus de ça, le jeu est très cool et on va se refaire une session... on va se refaire une session tranquillou. Et ce sera mercredi. Est-ce que Tonnerre ça part directement sur Ondoudou, ça dégage. Et encore il est type poison. Bah non, il est pas type poison hein, dans cette version là, si. C'est pas que dans la première gen qu'il est type poison. Non attends, c'est dans la première gen qu'il a pas le type poison, ou il a le type poison, je me souviens plus. Si. Ouais, je sais plus. Ectoplasma, tu joues Psycho, Tonnerre, Point Glace. Il fait 3 types utiles en même temps et touche tout le monde. Non mais gros, Ectoplasma c'est trop fort. C'est pas pour rien que c'est le meilleur Pokémon. Bref, à Méditerre encore une fois. Il a toujours eu son type poison. Il y avait pas un bail de Ectoplasma? Il y a un moment il avait pas le type poison? Non? Ou je suis con? Peut-être que je suis fou hein. À la Kazam Ectoplasma, mais vous êtes des fous. À la Kazam se fait oblitérer par Ectoplasma, qu'est-ce que vous racontez? Ça va, vous connaissez rien du tout. Ouais, il avait Tonnerre et Méga Sensu, ouais. Donc c'est pas un blagueur, les gars. Aucune vanne avec ce mec-là. Techniquement, à la Kazam gagne son 1v1, mais vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Mais Ectoplasma oblitère à la Kazam. Pourquoi je repars? J'ai tellement l'habitude de faire des allers-retours. Oh, moi je vais tous les faire de toute façon.
À la casa me perd tous les jours, mais oui, mais les gens. Mais bref, on n'est pas là pour méditer encore une fois. Mais méditons quand même, à méditer. À la casa, vitesse dépasse ectoplasma easy. Et alors ? Pas une question de vitesse. Vous êtes là à parler de vitesse, de stats. Si m'empoisonne, j'explose mon écran. Non, je rigolais. Je rigolais. Allez, putain, tue-le ! J'en peux plus des Pokémon poison de merde. Je pense que Ectoplasma il tanque littéralement tous les coups de Alakazam, il a aucun problème à les tanker. Du coup il est one shot derrière. Il tanque le premier tour, et après, mort. Les fameux frais de société, ouais ça doit être ça. Allez, Aéropic. Je pense que double Aéropic ça tue. Non, ça tue pas, putain. Plus le poison mais vraiment malin. S'il te plaît, un petit crit, on n'en parle plus. Il veut pas. Aïe. Vous savez très bien que si je le tue là, je meurs aussi à cause du poison. C'est pas worse du tout. Mais oui, mais les gars, mais bien sûr, avec ton plasma, le tank. J'ai jamais dit que c'était un tank. J'ai dit qu'il tankait le premier tour. Ça n'a aucun rapport. Ah, vous êtes très très mauvaise langue, le chat. Très très mauvaise langue. C'est glace canon avec ton plasma. Mais il oblitère son vis-à-vis. Non. Tu connais le fan game Pokémon Infinite Fusion? Ouais, vous m'en avez parlé énormément. Donc oui, je connais. De nom. Mais j'ai jamais joué. Et pour l'instant, on n'a pas prévu de jouer à un fan game. Mais ça m'intéresse de plus en plus. On l'a déjà dit. Ectoplasma se fait exploser tour 1 par Alakazam. Mais vous dites n'importe quoi. Donc vous êtes en train de me dire que Alakazam one shot Ectoplasma. C'est ce que vous êtes en train de dire. C'est un one shot quoi. Ectoplasma se fait one shot. Absolument. D'accord, ok. Je ne pense pas. Je pense pas du tout. Personnellement. Après vous êtes des jaloux. Vous êtes juste des jaloux. Tout. Non, je ne pense pas. Après faudra vérifier ça mais. Aïe. Moi à la base j'ai mentionné la Kazam pour dire que je le trouve plus stylé, c'est parti en couille. Non mais chacun sa préférence. La bataille est prête sur Stream Rider, j'envoie la guerre, mesdames et messieurs. Au rapport soldats, c'est parti. Let's go. Pardon, je me mets à éternuer maintenant. Après, on peut faire un Alakazam aussi si vous voulez, mais bon, moi je préfère Ectoplasma, donc je vais faire Ectoplasma. Voilà, c'est dit. C'est dit, c'est fait. Alors que Noix de coco, on va chercher au parc Safari, un petit 9-9. Eh, vraiment, elle se fout de notre gueule avec ses encoules. C'est parfait, ça, c'est de l'XP gratuite. Voilà, c'est même pas one shot. Elle fait chier, hein, putain! Oh là 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 là! Mais c'est relou! Non, on veut XP, l'autre, il nous fait du cyclone et tout. Non, mais c'est trop chiant. Non, mon équipe est pas complète. Justement, on est en plein débat sur ce qu'on rajoute. Là, ce qui est sûr, sûr à 1000%, d'accord? Maxidan va encore finir empoisonné, le fond. Ok, je renvoie une bataille sur Stream Rider. C'est qu'on va avoir Aqualie, ça c'est sûr. Aqualie c'est obligatoire. Aqualie c'est obligatoire, c'est l'histoire, c'est beau, c'est magnifique, c'est l'amour du risque. Même si mon Pokémon préféré parmi les évolutions, ce n'est pas du tout Aqualie. C'est Pyroli. Mais c'est pour le lore avec ma fille. J'avais promis qu'on prendrait Aqualie. Donc voilà. Et en plus c'est un bon tank. Alors là. Let's go. Ah oui, pour la fille, c'est normal. Après, en évolution, il y a 4 Pokémon. En évolution par échange, qu'on peut techniquement pas avoir, mais on va trouver la solution. C'est
Grolem, Macogneur, Alakazam, Ectoplasma. Mais celui qui nous intéresse, nous, c'est Ectoplasma. Ectoplasma, c'est la régalade. Allez, boum, ça dégage, Pikachu. Bah, en fait, Tignon et Kiki, on voulait partir sur Tignon. On voulait partir sur Tignon, mais le problème, c'est que Tignon, dans cette gêne, tous ses dégâts, c'est physique. Et nous, on voulait apprendre point de feu, point de glace, et c'est, il a une attaque spéciale, apparemment, qui est merdique. Donc, du coup, bah, ça fait chier. Après, on peut... Voilà, c'est ce que j'allais dire. On peut mettre tout le monde d'accord, et on fait un Dracolos. Dracolos, c'est... Moi, j'aime beaucoup un Dracolos. J'adore Dracolos, hein. Vraiment, ça fait partie des Pokémon de la première gêne que je kiffe énormément. Mais Dracolos, alors faut aller retrouver du mini Draco, les gars. C'est un peu long en plus, c'est un peu chiant XP. Hein. Et mini Draco, je sais même plus où il se trouve pour être honnête avec vous. Mais c'est long, hein. Je crois que Dracolos il évolue après le niveau 50 ou une connerie du genre. Hein. Donc c'est méga long. Après voilà, c'est stylé, mais. C'est niveau 50, non? C'est 55, quoi. Ah oui! Attends, Dracolos, Mini Draco, c'est Parc Safari, Parmani ou Casino? Mais Casino, il va falloir 10 milliards de points, je crois. Une connerie du genre encore. C'est bien. Parce que je me disais, il manquait quelqu'un ici. Ça se mérite. Il y a 5% au Parc Safari. Putain, c'est très très peu. Voilà, il y a plein de possibilités sur le dernier choix. Le Tartare. Bon, Pokémon Feu, on a écarté ça. Le Mini Draco, tentative d'Ectoplasma aussi, pourquoi pas. Hein, tentative d'Ectoplasma avec une simulation d'échange. Moi, mon meilleur scénario, c'est qu'on ait Ectoplasma. Mon meilleur scénario, c'est Ectoplasma, évidemment. Je vous le dis. Hein. Non, Tauros, ça me dit rien. Arcana, on va pas faire de Pokémon Feu. Je pense que ça va être peut-être la première fois de toute l'histoire de Pokémon où je jouais dans mon équipe, je n'ai pas un Pokémon Feu. Mais vraiment, j'aime trop les Pokémon Feu. Et là, c'est peut-être le premier Let's Play. En plus, on joue à Rouge Feu sans faire de Pokémon Feu, c'est fou. Y'a pas un fossile si on a Kabuto. On peut jouer avec Kabutops, mais bon. On a le temps. Ectoplasma, le feu, mais on simule comment on échange. Bah, vu que je joue sur émulateur, on peut simuler. Putain, non, je crois que lui, il va jouer que des Pokémon poison de merde. Des Smogo, des Nanani, des Nanana. Ouais, voilà, putain. On ronfle, hein, des têtes mornes. Maxidan qui prend le niveau 27 bientôt. Et qui loupe ça, superbe. Encore. Tue-le. Ah. Je crois que ça va suffire. Aucun problème. Petite vue attaque. Mort. Magnifique ça, Max. Bravo, Maxildan. Bien sûr qu'on va prendre. Cruel. Et on va retirer. On a combien? On a 60. Tornade, on en a plus rien à foutre. Attends, on est d'accord que ça, c'est du physique? Pourquoi c'est pas marqué si c'est physique ou. C'est pas marqué. On n'a aucune info si c'est physique ou pas, mais bon, je pense que c'est physique. Cruel, on est d'accord que c'est physique, non? Je pense. C'est J, gros downgrade, pas le world, dommage. Comment ça, gros downgrade? J'ai pas compris, Zazu. Downgrade de quoi? Cruel, physique, ouais, de toute façon, on va enlever Tornade au bout d'un moment, c'est bon. C'est en fonction du type de l'attaque, ok, bon, ouais. Écoute. Forcément, ce sera physique. Bah toutes les attaques vol, putain, mais toutes les attaques vol sont physiques, je trouve ça quand même aberrant, moi. J'arrive pas à m'imaginer certaines attaques physiques, c'est bizarre. Ah, c'est quoi? Non, c'est pas que à partir de la 4G le physique spécial, Kant. Là on a déjà des trucs physiques et spéciaux. Puisqu'on a déjà les stats. C'est aberrant. Je joue avec les mus des spumes, mais je trouve comment. Si tu trouves comment simuler, je suis preneur. Si quelqu'un. Ah, mais je joue pas avec des spumes, moi. Je joue avec Visual Boy Advance. Donc je vais essayer de trouver comment faire. Mais peut-être qu'il faut que je lance deux fois.
Attendez, je me permets de play en local. Attendez, vas-y. Non, mais je suis quand même curieux. Je suis désolé, hein. J'ai dit qu'on mettait ça sur le côté, mais je suis quand même curieux. Est-ce que vous pensez que si je lance une deuxième fois l'émulateur... Est-ce que vous pensez que je peux lancer une deuxième fois l'émulateur? C'est ça la question. Je regarde. Ça sauvegarde. Voilà. Ok. Si je peux, ça peut marcher. Alors bougez pas. Oui. Ok. Ça va rentrer en conflit, mais c'est pas grave. Écoutez bien. Attends. J'ai deux jeux. Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais les faire entrer en conflit, c'est un bordel. Oh putain, j'ai pas sauvegardé en plus. Attends. Faut pas que je fasse n'importe quoi. Je le ferme, je sauvegarde. Voilà. Sinon ça va péter un plomb. Voilà, j'ai sauvegardé. Ok. Non, faut pas que je perde ma sauvegarde. Non, c'est vrai que ça fait un peu peur. Je sais pas où est sauvegardée ma sauvegarde. Attendez. Attendez, je peux trouver. Non, mais parce que effectivement, si ma sauvegarde elle disparaît, j'explose. Je pète un truc. En fait, ça m'énerve. Exécuter, résoudre, ouvrir. Non, mais c'est pas ça que je veux, moi. C'est ouvrir. Accorder l'accès. Ajouter l'archive, envoyer vers. Y a pas le truc ouvrir le dossier, non. Je sais pas où sont sauvegardées les sauvegardes, justement. Options, link, émulation, pause, nanani nanana, file, open récente, ROM information. En fait, c'est pas une sauvegarde, en fait, c'est juste le jeu en lui-même. C'est juste le jeu en lui-même, les gars. C'est juste le jeu en lui-même, ok. Et vous pensez que je peux aller ensuite. Attendez. Comment je peux simuler un échange? A votre avis, est-ce que je dois échanger contre moi-même? Je suis Azadia, c'est la première fois que je vois ça. Ah oui, putain, c'est vrai. Ok. Ok, nickel. Donc ça... Ouais. Non, je veux rien savoir. Et normalement, on est d'accord que ça, c'est du local, là. Ah putain, non, ça marche pas. Il me dit que mon câble est pas connecté, c'est ça? Votre adaptateur sans fil GBA n'est pas connecté correctement. Venez plus tard, ok? Et lui, tu me dis quoi? Le centre club, ok. Ah. Centre troc? Ouais. Oui. Ok. Et après, je patiente. Oh, attendez, vous pensez que... Non, c'est énorme. Je fais un test, hein. Je quitterai si ça part en couille, je quitte, d'accord? Si ça part en couille, je quitte. Mais je lance une deuxième émulation. Attention, hein, je suis en train de simuler un truc. Les amis, on est en train de créer quelque chose de grand, là. On est en train de créer quelque chose de grand. Ok. Là, vous voyez pas, mais à côté, je lance ça. Alors attends. Ouais. Ouais, le centre troc. Ouais, sauvegarde. Ok. Est-ce que ça marche? J'ai pas l'impression que ça marche, les gars. J'ai les deux qui se parlent. Les deux trucs se parlent pas. Link. J'ai mis local mode. Ça a pas l'air d'être bon. Risque la fin de la run. Non, ça a pas l'air de marcher. Les deux me disent, veuillez patienter. En fait, là, vous voyez pas, mais j'ai deux écrans avec le même écran. Enfin, sur le deuxième écran, j'ai le même truc. J'ai ouvert la même sauvegarde sur une autre fenêtre. Mais ça fait veuillez patienter sur les deux, les gars. J'ai pas l'impression que ça va marcher, quoi.
J'ai coché la case, alors attends. Oui, j'ai coché la case, moi, perso, qui fait évoluer mes Pokémon qui échangent à un certain level lorsque c'est... Ah, il y a peut-être un truc, t'as raison. Bon, bah les gars, ça a pas l'air de marcher. Ça a pas l'air de marcher. Tant pis. Tant pis, tant pis. Après, je peux activer peut-être le cheat. Hein. List cheat, automatically, machin, enable cheat, list cheat. J'ai pas de cheat. Parce que sinon, on le fait évoluer normalement, quoi. On essaye de créer le truc pour que ça évolue normalement. Va falloir qu'on trouve. Ah, PKX, sinon, d'accord. Mais je crois que PKX, on en a parlé, et il me semble que malheureusement, il fallait le faire avant de lancer la run, non? Il n'y avait pas ce truc comme ça. Putain, j'ai essayé de simuler le truc et tout, mais ça n'a pas marché. Chier. Bon, c'est pas grave. Et au moins, on est fixé sur ce modèle-là, ça ne fonctionne pas. Ouais, je pense qu'on va le trouver. De toute façon, allons faire ce qu'on a à faire, à savoir fumer la reine dans un premier temps. Et aller chercher Aqualie. Ectoplasma, les gars, il arrivera Ectoplasma, c'est sûr. C'est sûr et certain qu'on va aller chercher Ectoplasma. Viens là, toi. Viens là, je t'ai dit. Viens là, je te dis. Il y a toujours moyen. Désolé, je reviens sur le débat. Alakazam versus Ectoplasma. Alakazam foudroie Ectoplasma en tout point. Ectoplasma repart au Romulan. Je ne pense pas. Désolé de le dire, mais je pense que Ectoplasma oblitère Alakazam. Donc voilà, après si t'es un haineux, c'est ton problème, mec. Si ça fonctionne, si tu utilises VBA Link et que tu gardes ta même sauvegarde. VBA Link, je vois pas ce que c'est, Safi Moulin. Je trouverai une solution. Merde. Je l'ai pas vu, il m'a fait autant de dégâts. Et il m'a empoisonné. Oh, on est mort. Voilà. Attends, quoique. À moins que C'est gagné. Voilà, on prend l'XP. Ouais, bien sûr. On va devoir y retourner encore une fois. Ça commence à me faire péter un pont. Alakazam est pas plus rapide et plus fort, non. Absolument pas. C'est n'importe quoi, les gens qui disent ça ne savent rien. Bon, Ectoplasma, c'est vraiment le Tchad ultime. C'est une version alternative de Visual Boy Advance pour faire l'échange exactement comme tu viens de faire, sauf que ça marche. Ah, mais c'est une version alternative, ok, d'accord. Fallait que je joue sur un autre émulateur, quoi. C'est pas grave, on va trouver. Ouais, j'en ai marre du poison là, c'est. Je vous avoue que ça me. Oh! Enfin, Sunday là, bouge ton cul, non? J'ai essayé de gruger le jeu. Merci. Ah, c'est le code pour Ecto? Attends, tu m'as donné un code pour Ectoplasma? Mais du coup, c'est quoi? Ça me donne Ectoplasma, du coup. Parce que si c'est ça, c'est moins rigolo, c'est moins joli, tu vois ce que je veux dire? C'est du cheat, quoi. C'est moins... Je sais pas. Si tu... C'est quoi? C'est genre, ouais, ça me donne de suite Ectoplasma. Est-ce que c'est pas moins beau, quand même? Moi, je préfère capturer, le faire... J'aimerais qu'on le trouve... Tu le rencontres directement après. Ouais. C'est de l'action replay. Non, j'aime pas ça. Fais-le. Mais Casu, t'essayes de... Mais sur VBA, j'avais jamais trouvé autrement. Attends, mais je fais un test. Attendez, je sauvegarde. Je suis désolé pour ce let's play un peu... Cet épisode aujourd'hui un petit peu différent, mais... Je suis curieux de voir. C'est quoi ce truc que tu m'as envoyé? Donc c'est un code. Vas-y. Hop. À la ligne. Je teste, hein. Il y avait le point dedans, fallait mettre le point ou pas? Non, fallait pas mettre le point, je pense. Je teste, hein. Faut que je le mette? Comment on le met? Description, code. Je fais un test pour voir si ça marche. Les gars, je fais un test. Et on le rencontre direct après, c'est qu'une fois ou... Je triche en direct dans la... Non! Je veux pas que ce soit ce titre. Interdit ce titre. Est-ce que tu crois que ça marche? Non, je pense pas que ça marche. What the fuck? Ectoplasma! What? Mais c'est du jamais vu!
Oh la chatte! On parlait justement d'ectoplasma! Et il y a ectoplasma! No way! C'est 100% impossible! Je déchire mon t-shirt! 100% impossible ce qui vient de nous arriver, les gars! La chance de malade! Oh la vache! Attends, mais je voulais voir si ça arrivait qu'une seule fois ou si ça arrivait tout le temps. What the fuck! Ectoplasma niveau 16! Non. Aéropic. Ça le tue ou pas? Non. Il fait ténèbres. Ça n'affecte pas, mec. Ok. Mais la rencontre de fou. Ok, les gars, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est bon, vas-y, je le respecte, je capture avec une super bonne. La chance de malade deux fois avec ton plasma d'affilée. Ok, j'espère qu'on va l'avoir. No way! No way! Oh, le sprite t'envoie de fou. Non, les gars, c'est par contre, c'est trop bien. Oh, si, on le capture quand même. Trouve un meilleur nom. Un meilleur quoi? On va le monter, non? On va le monter en level. Quoi? No way! Ça m'affecte pas. Attendez. Tu mets cage éclair. Ouais, putain, mais c'est vrai que j'oublie que c'est un ectoplasma. C'est pas n'importe qui, les gars, c'est un ectoplasma. Quel hasard. Alors, par contre, est-ce qu'en tant qu'ectoplasma, il apprend les attaques du coup ou pas? C'est très rare, hein, c'est super rare. Hasard de dingue. La vache. Il apprend toutes les attaques. En vrai, je dis ça, mais on peut vraiment le façonner, les gars. On peut lui apprendre tout ce qu'on veut. Si, il apprend, ok. Putain, j'espère qu'on va l'avoir. C'est tellement rare, on peut pas le laisser partir. Merde. Allez, Ecto. Oh non, il me lèche. Enfin, il lèche son dé. Bizarre, ectoplasma. Lâche ça, ectoplasma. Ok. 1, 2, 3. Yes! Les gars, on a ectoplasma! Let's go! La vache! C'est un truc de malade! Ectoplasma! Le Pokémon ombre! On dit que les ectoplasmas surgissent des ténèbres pour prendre la vie des personnes égarées en montagne! Ouh! Oh, les gars! Oh là 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 là, c'est sublime! C'est sublime! Alors attends, ectoplasma, ça doit être quelqu'un! Ça doit être vraiment quelqu'un! Excusez-moi, attendez, je pas un truc. Okay. Un petit bug. Pour moi, je sais qui c'est. Je l'ai promis, je devais lui donner un nom de Pokémon. Je sais qui c'est, les gars. Vous savez, c'est qui? C'est mon ami Sakor. Sakoros, mesdames et messieurs. Sakor, pourquoi? Parce qu'il a l'attaque l'échouille. Et je peux vous dire que Sakor, il a dit on l'échouille un paquet, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, la gueule du mec. Le roi l'échouille. Ok, on y va. Oh, je suis trop heureux, j'ai avec ton plasma, les gars. DSL, hein. Mais DSL pour... DSL pour notre ami... notre ami Genius, mais c'est d'ores et déjà terminé. Adieu Ferro-Singe. Ah, je vais te déplacer, hein. Je vais te déplacer ailleurs. Putain, les gars, on a ectoplasma. Legit, en plus. Je suis désolé, j'avais trop envie. En fait, si on pouvait... sans cheat, on l'aurait fait, évidemment. En plus, j'ai même pas de cheat, en plus. C'est juste qu'on l'a rencontré comme ça. On joue, on le rencontre. On va aller voir les stats, les gars. J'ai pris le premier. Je veux pas... C'est pas le world. Ouais, le jeu, c'est pas le world. C'est pas le world, les gars. Attends, c'est quoi mon Pokémon? J'ai peur, là. On devait te transformer en gros doudou, Ted, mais on t'a abandonné lâchement. Voilà, sans être très honnête. Nature, bizarre. Sakor, attaque 28, défense 28, 49 d'attaque spé. Waouh. Attends, les stats de maladement. Il a les stats de fou, non? Hein? Ça, c'est de la stat, on est d'accord. Faudra faire un cut dans la VOD en mode erreur technique. Non, mais c'est juste... En plus, on a lévitation.
ignore les attaques sol. Non, c'est incroyable. Au niveau 16, c'est du jamais vu au niveau 16, hein. Bah, en fait, on l'a échangé super vite. Il est type de malade, gros. Non, mais en vrai, il a malédiction, ténèbres, dépit, les chouilles. Ténèbres qui est de type spectre, tout va bien. Ordre. On le met là, les gars. Et est-ce qu'on n'avait pas des super bonbons? Je sais plus si on n'avait pas des super bonbons, mais on lui met tout. Hein. Super bonbon, je mettrai plus tard. Tu faut pas l'ombre vite, oh, vite ouais, on va le train les gars. On va le train. Bah attendez, mais vous pensez que je peux retomber sur des ectoplasmas ici où j'ai eu vraiment de la chatte? Si, ouais, c'est hallucinant d'avoir de la chatte comme ça. J'ai envie de voir. Hein. Non, j'ai eu de la chatte quoi, j'ai eu de la méga chatte. C'est hallucinant. C'est... Non, c'est fou. C'est fou. Ah non, ça ne l'affecte pas, je suis dégoûté. Putain, en vrai, non, je vais être baisé là parce que... Eh oui, bah oui, évidemment. En fait, eux vont pas me donner assez de... vont pas me donner assez d'XP, de toute façon, on va pas faire ça. C'est terrible. Qu'est-ce que je fais? Je deviens fou. Non, mais vous savez quoi? On va le mettre devant et on va le faire laver la map. On va lui faire prendre de l'XP gratuite, là. Oh là là. Et c'est 0,001% de chance de rencontrer Askip, je crois. Hein, je crois aussi. Voltorb. Ok. Voltorb, j'en fais mon affaire. Je vous dis direct. Je mets ténèbres, mort. Boum, il explose. Les dégâts. Oh, le grincement. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous pensez qu'il me tue? Non, c'est il baisse la défense. Il baisse la défense, donc c'est du physique. S'il fait du physique, il me touche pas, frère. Peut-être sa nature. En fait, c'est quoi la nature... bizarre, les gars. C'est quoi comme nature? Oh là là, 441. Non, on change pas. Mais cette fois, on prend pas de risque, il est niveau 20, on va changer direct. On va mettre Domingo. Ça bouge pas les stats, c'est neutre. Ok, aucun bonus ni malus, ok. Ça me va en vrai. Il a le choix. Non, il a pas le choix, mais il peut avoir combien de nature ectoplasma. Du coup, il avait le choix avec quoi d'autre, entre guillemets. Bizarre comme ça capture. C'est vrai que sa capture était bizarre. La chatte qu'on a eue, les gars, j'en reviens toujours pas. Ok. Du coup, je sais pas quelle est techniquement est la meilleure nature pour lui, quoi. Smogo. Modeste le mieux. Ok, modeste, putain. Chien. Si on n'a pas eu le modeste. Ah, on va voir, hein. Oh non, détritus. Oh non, dégoûté. J'espère qu'il va pas nous empoisonner. Hein. MDR. Tu sais qui suis? Je suis Sakoros, mon pote. Motesse d'attaque spé augmente contre baisse d'attaque. Oui, mais vu qu'il fait que du spécial, Osef. J'ai quitté le PC 5 minutes, t'étais avec ton plasma. Encore un qui a eu de la chance. Mais mec, c'est exactement ce qu'on se disait. Vous trouvez, c'est abusé la chatte qu'on a eue. C'est abusé. Mais bon, tant mieux, hein, ça fait plaisir un petit peu d'avoir de la chance comme ça. Ah vraiment, c'est du plaisir. Est-ce que vous pensez que Magnéti a lévitation ou pas? Je sais pas. Je vais mettre tombe roche pour voir. Ça fera pas assez de dégâts. Ouais, il a lévitation, donc tunnel ne le touche pas, quoi. En vrai, Magnéti nous baise un peu, hein, mine de rien. Ah, je suis con, mais j'avais pas vu que j'avais double pied. J'avais oublié que j'avais double pied. Non, je suis débile, les gars. Laissez tomber. On met un double yep. Non, en 3G, il l'a pas, ok. Ouais, Sakor qui prend le niveau 18. Hein. Ça me fume. Les gens qui vont débarquer, ils vont pas comprendre. Attends, t'as eu où avec ton plasma, bro? Bah, juste, j'ai farm. Allez, souterrain qui est ici. On va aller se la régaler. Il n'y a jamais eu, n'a pas lévitation. Ah ouais?
Je sais pas. Donc c'est une croyance populaire de croire qu'il a... Est-ce que les chouilles, ça le paralyse un peu, là? Oh, il nous met écume. Aïe, 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 il nous met mal. Écume, je vous dis, ça peut me tuer. C'est un tank ou quoi, ça, corps? Oui, il a pas lévitation, ce serait trop pété sinon. Mais vous êtes sûr? Je sais pas, la logique voudrait que... Magnéti, vu qu'il ne touche jamais le sol, il ait lévitation. Ça me semble logique, non? Ouais, je sais pas. Non, les blagues à part, en vrai, ectoplasma important parce que malheureusement, on pouvait pas faire autrement. Si on voulait l'avoir dans l'équipe et pas attendre 15 ans. Ouais, c'est pas grave, hein, faut tout le monter et tout, donc c'est... Ça va, y a pire. Très très rare ectoplasma. Après, j'ai l'impression que vous êtes juste un peu jaloux du fait que j'avais 0,001% de chance de le capturer. Et qu'il apparaisse, et c'est ce qui est arrivé, donc... Donc voilà. On aura peut-être un Pyroli sauvage qui apparaît. Non, l'équipe, elle est complète. Aqualila, et c'est fini, hein. Notre équipe, elle est complète, on l'a fait comme ça. Voilà, c'est dit. Oui, après, tu l'as level 16, c'est pas comme il était niveau 80. Oui, bien sûr, faut tout monter et tout, y a pas de galère. Oui, bien sûr. Ça, je suis d'accord, les gars. Juste qu'on n'avait pas le choix, quoi. J'aurais pu avoir un Fantominus au même niveau, machin, etc. Le monter. Mais il serait resté un Spectrum après, et c'est ça qui était un peu relou, quoi. Hop, je me casse. Tu as vraiment gardé Raichu? Bah ouais, je sais pas. C'est un peu... Moi, j'aime bien jouer avec l'équipe que j'ai créée de cœur, tu vois. C'est cool. Je trouve qu'on a une bonne équipe. Après, à tout moment, je pense qu'on capturera le Ronflex, évidemment. Donc on pourra l'avoir, hein. On pourra adapter, après. On peut toujours adapter. Et Raichu, j'aime bien. Les gars, on y arrive. Attention, un peu d'émotion. Un petit peu d'émotion. A little bit of emotion. Mec, dit n'importe quoi. Safrania à droite. Ici, c'est... Oui, on n'a pas besoin. C'est la Dopol. C'est la Dopol, guys. On y est. Je vais me permettre de sauvegarder, quand même. Ouais, c'est badass, en gros, Raichu. Très, très bien. C'est magnifique, même. Allez. Super forme, merci à toi. Sauvegardons au cas où. Donc l'arène, je pense qu'on l'oblitère. On est en oblitération totale. Oh, mais en plus, ça, ce qui me régale, c'est que s'accord contre la Team Rocket, c'est de la full branlette. Il va se régaler, quoi. Il va pouvoir pex à l'infini. Bon, vous savez très bien ce qu'on va faire. Oh, il veut échanger, lui. Ah, t'as utilisé une pierre. Oh, GG. On y va. Centre commercial, les gars. Alerte centre commercial. Normalement c'est derrière qu'on récupère un Evoli, non? Je me souviens plus exactement. Je me souviens plus exactement où c'est qu'on récupère l'Evoli. Je crois que c'est derrière, il y a une Pokéball et il y a un Evoli derrière, mais c'est pas du coup c'est pas par là, quoi, je crois. Erika, on la tue. Oh là. Par derrière. Oh les gars. Hein? Attention, hein. Est-ce qu'on a quelque chose ici à récupérer ou pas? Je me souviens pas. Non, je crois pas. On est juste sur le toit. Un peu de respect. C'est un gars qui te le donne. Je croyais que c'était dans une Pokéball. Je sais pas, j'ai très peu de souvenirs là-dessus. Un peu de respect. Je vais voir si on a des petites choses à récupérer comme d'hab. Wow, j'ai fait tous les... Oh, c'est vrai. Les programmeurs de Pokémon, évidemment. Ils sont en train de nous parler, les concepteurs du jeu, putain. Complète-le et reviens me voir. Bah oui, mais bon, compléter le Pokédex à ce niveau-là, mon pote. Ok, frère. Bon, on va aller à l'arrière du bâtiment, les gars. On va aller à l'arrière du CDI. Le PNJ un peu chelou. Hein. Mais il bloque, lui, non? C'est lui qui nous bloque, non? On est d'accord que c'est par là? Là, le centre commercial, ou alors est-ce qu'il faut que je passe par derrière? Et c'est lui qui nous bloque, non? Ou passer derrière? Non, c'est full droite? Et les gars, je vous jure, je m'en souviens plus. Je sais que c'est derrière, et je ne sais plus par où je dois passer. Voilà, il y avait une porte sur le... Ah non, c'est là. Oui, c'est là, c'est là, c'est ça. Bien vu, les gars, bien vu, vous êtes trop forts. Tata.
J'ai un peu d'émotion, je dois pas vous le cacher. Il est là. Evoli ! Evoli, vous savez qui ce sera ? Évidemment, c'est mon petit bébé. Hana. C'est ma fille. Allez, hop. D'accord, ça marche, merci mec. Par contre, est-ce que... je sais même pas quel niveau... Je crois qu'il est niveau 20, Evoli, il me semble. Niveau 10 ou niveau 20. On est d'accord que je le fais évoluer de suite en Aquali. On n'a aucun intérêt à garder Evoli en tant que tel de type normal. Il me semble. Ok. Ouais, direct évolution, on est d'accord. Bon, là, faut qu'on achète une pierre foudre. Faut qu'on achète une pierre eau. Crawl, c'est l'émotion. C'est notre équipe, ça y est, les gars. On a notre équipe. Niveau 25, pardon. Ok. À échanger. Adieu, Misterbe. Adieu, Jumpy. Tu nous auras bien aidé. Ouais, c'est magnifique.